La campagne continue pour Ali Bongo Ondimba, candidat du Parti démocratique gabonais au pouvoir. Au pas de course, le président candidat a commencé par le 4e arrondissement, resté fidèle au Parti démocratique gabonais, où il a lancé le concept du nouveau gabonais. C'est celui qui n'a pas peur de l'échec à condition qu'il se relève et qu'il avance. C'est ce gabonais nouveau, c'est le gabonais de l'émergence. C'est celui qui est solidaire vis-à-vis des autres et qui n'a pas peur et qui doit essayer. Et c'est ce gabonais-là que nous allons avoir. C'est le gabonais de l'émergence qui ne recule devant rien et qui n'a peur devant rien et qui avance. Et mes chers compatriotes, voilà pourquoi j'ai besoin de votre soutien. Je veux avancer, je ne veux pas reculer. Je veux continuer à avancer. Et je veux continuer à avancer. Voilà pourquoi j'ai besoin de votre soutien. Et même si je tombe, vous allez me relever. Et même si je glisse, vous allez me relever. Et vous allez faire en sorte, que mes jambes soient plus solides car vous êtes mes jambes. D'autres arrondissements tels que le 3e n'ont pas été en reste et s'est également distingué par sa grande mobilisation. Au jardin botanique, dans le 1er arrondissement, Ali Bongo Ondimba a été désigné comme un messie. Vous, Ali, êtes pour nous dans le 1er arrondissement et demeurez notre Josué et la terre promise. Du pays et des pays émergents pour les années 2025. L'école publique d'Avorbama a constitué la dernière étape de cette caravane. Dans son adresse, Ali Bongo Ondimba a rappelé l'importance de la femme et des jeunes au sein de la société gabonaise, une jeunesse au regard désormais fixé vers la réélection de son champion.